Ouais, maquiller sous les yeux et tout. Donc là, on vient d'utiliser la poudre de chez de Parmel, de chez Skin Technology by Laetitia. Donc voilà, après l'application, sincèrement, c'est bien mélangé avec le temps, bien je mélangé avec ça le fond magnifique. De teint. Magnifique. On n'a pas fini d'estomper le bas des yeux, parce que comme on va maquiller le bas des yeux, c'est des techniques de maquillage. C'est des techniques, c'est de chacun ses problèmes. Donc, on laisse d'abord la petite poudre en bas, là, parce que si on maquille les yeux, on met les fards, tout ça, il ne faut pas que ça salisse le teint. Donc, on laisse un petit peu la poudre en bas. Et le reste... Les fantastiques, là, vous devez être un peu dépassés. Vous demandez qu'est-ce qui se passe, en fait. Je suis chez Anis Lou, Beauté Divine. Je suis en train de faire mon make-up avec les nouveaux produits de chez Skin Technology by Laetitia. Voilà, les produits make-up cette fois-ci. Donc, voilà, là, vous voyez, on a utilisé les fonds de teint. La marque make-up de Laetitia s'appelle Parmel by Laetitia. C'est là. Parmel by Laetitia. Voilà, donc, là, on a utilisé les fonds de teint. Voilà, pour avoir ce teint de la gloire céleste. Et la poudre, elle est où, s'il te plaît? La poudre baking. S'il te plaît, Kumba, concentre-toi et garde ta main là. Je ne sais même pas qui est Kumba. Pardon. On n'a pas besoin de savoir, mon chéri. Donc là, on a mis la poudre ici pour matifier un peu le teint. Anis. Donc, on vient d'utiliser la poudre Parmel de chez Laetitia. Voilà, c'est Parmel by Laetitia. Voilà, je précise juste que ce sont les produits make-up de Skin Technology by Laetitia. La marque s'appelle Parmel. Voilà. Et là, je vous fais trop la pub de la gloire parce que honnêtement, je la trouve ce teint magnifique. Voilà. Alors, on a appliqué le fond de teint qui est rajeunissant. On précise bien. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de vous maquiller avec des fonds de teint, comme vous démaquillez, ça vous vieillit un peu là. Ça vous vieillit le visage. Le teint est fatigué là. Mais quand tu te maquilles avec les produits de Parmel... Voilà, en tout cas, les fonds de teint de chez Parmel sont rajeunissants déjà. Ce sont des fonds de teint bio. Et en plus, il y a de la protection anti-solaire. Voilà. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais le soleil, ça bastille mal la peau du visage. Là. Surtout que quand vous vous maquillez, après, vous allez sous le soleil, vous avez tendance à devenir un petit peu grise. Voilà. Vous n'avez pas ce rendu-là avec les produits de Laetitia. En tout cas, moi, j'aime beaucoup les fantastiques. Comment allez-vous? Petit Congo, ça? Anis Lou, c'est la meilleure. C'est pas moi qui ai une peau qui glosse. C'est pas moi qui ai dit que les filles des Snapchat sont des magouillas. On peut faire ça. Alors, qui a parlé de ma ceinture? Kelly Tanner. Ma ceinture, je te montre. C'est Body Dream by Laetitia. D'accord? C'est pour avoir un corps de rêve. Là, je l'ai juste essayé comme ça pour voir si c'est ma taille parce que je viens de me faire livrer la ceinture. En tout cas, je t'en parle tout à l'heure, d'accord? Parce qu'il y a une crème avec... À sortir, hein? Il y a une crème avec la ceinture pour vraiment travailler la peau du ventre et tout ça. Anis, si je parle beaucoup, bien si je bouge beaucoup, tu me dis. Je laisse d'abord, tu finis de parler. Et toi, on finit de maquiller en 2 minutes. Toute l'après-midi, là, on est là sur le visage. Anna Boumoudunga, dédicace à toi mon bébé. Vous avez un joli petit tuto make-up gratuit aussi. En même temps. Vraiment. À profiter, hein. Profiter. Voilà, parce qu'il y a trop le goût de parler des choses de Laetitia ici là. On peut regarder, mais ce ne sera pas évident de reproduire. Hein. C'est ça aussi. Pitié des créateurs. Je regarde comment des fois tes make-up ici là. J'arrive à reproduire ça. C'est là que je suis comme Mami Wata. On peut faire ça. Je suis toujours là qu'avec le visage comme Mami Wata, maman. Et pourtant, je regarde tout le temps comment tu maquilles. La technique aussi. Dream Body by Laetitia, ça veut dire le corps de rêve by Laetitia. Cette ceinture-là, elle va vraiment vous sculpter le ventre, en fait. Voilà. Moi, je n'ai pas trop serré, vous savez pourquoi?
Mais sinon, si vous serrez tout, en plus c'est ma taille, si vous serrez bien, vous allez voir, déjà vous pouvez la mettre voilà, sur des robes, sous des robes, sous des tenues moulantes. Ça va bien vous affiner, vous sculpter la taille en fait. Même les sourcils là-haut, maman, même sans avoir corrigé. Je peux aller me glosser comme ça là. On peut avoir la technique comme ça. Voilà, le fond de teint de chez La Tania, il est très léger. Je vous assure qu'il fait chaud. Et moi, j'ai la peau du visage très grasse. J'ai la peau qui transpire. Qui transpire facile, vite. Voilà, ma maquilleuse va vous dire. Elle, là, tu mets le fond de teint tout de suite. Là, tout un, de deux, suite, trois, ça coule déjà. Là, c'est mal jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Merci vraiment, La Tania. Hein. Merci, La Tania, vraiment. Parce que là, franchement, ça, là. Deux minutes, les fonds de teint là sont mal. Deux minutes, on met un peu le fond de teint sur créole. Tout a déjà coulé. Là, ça coule. Tout a déjà coulé. Transpirer, n'a transpiré. On ne sait pas. On peut mettre toutes les bases de la planète Terre. C'est cool. Alors que là, voilà. Honnêtement, non seulement c'est léger. C'est vrai en plus. Hein. C'est léger et c'est couvrant. Tu vois, toutes les petites imperfections du visage. Non. Oh. Je transpire pas, je te jure en fait. C'est très léger, c'est bien couvrant. Même s'il fait chaud. La couvrance anti-solaire. Là, même s'il fait chaud. Voilà la protection voilà, solaire là. Apparemment, c'est en train de me... Donc, on a plusieurs glossy, plusieurs rouges à lèvres. Vous allez m'aider à choisir celui qui me va le mieux parce que je n'ai pas encore testé les rouges. Il ne peut pas. Là, il ne peut pas. Il est un peu pris. Kirby ou Kirby, elle est où? Elle peut essayer la... Là, il ne peut pas. Oui, il ne peut pas. Là, tout de suite, il ne peut pas. Donc, ça pousse, débrouille ça. Ça fait pour la peine. Ça fait pour la peine. Oui, ça fait pour la peine. C'est fantastique, vous choisissez ton rouge à lèvres. Mm-hmm. On peut faire ça. Un mot pour ses fans comme ça. Mm-hmm. Moi, je maquille plus comme je veux. Hein. Wow. C'est facile et fantastique, vous choisir. De toute façon, on va tout tester. Je suis là en mode testing. Et ça aussi. Je veux savoir quelle couleur de rouge me va le mieux. Déjà que moi, je suis plus glossy que rouge à lèvres, hein. N'est-ce pas? Et ça gloss. Ok. Arrête de bouger, s'il te plaît. C'est bon. Alors, Julien est là. Le salon de beauté est situé en face de la mosquée de Batavia au Saint-Germain. On se demande pourquoi la mosquée de Batavia, c'est tout au Saint-Germain, mais bon. Pardon. En tout cas, avec Yol, on maquille pendant toute la soirée. Hein. On a les pauses à chaque deux minutes. On t'a arrêté. Non. Non, monsieur Kumba. C'est fantastique. Faites-moi le Congo ça. Je vous donne mes prochaines dates, d'accord? Alors, ce 27, je serai du côté de la Tunisie. Oh, c'est mieux. Bah, mets-toi un peu là, trois quarts, comme ça tu vois ce que tu nous montres. Parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Voilà, tu regardes comment tu es en train de monter. Tourne un peu derrière. Voilà. Alors, je serai en Tunisie le 27, donc je pense ce vendredi. Voilà.
Il y a marqué avec les pinceaux, on peint un tableau. Mmh. On peint un tableau, mon bébé. C'est de l'art, papa. C'est de l'art. Toi, tu es là avec ton éponge, là, que tu as acheté chez Awa. On peut avoir le sourcil parfait comme cela. Merci beaucoup. Arnaldo, merci bébé. Mon teint est travaillé par Skin Technology by Latania. Là, mes produits make-up sont voilà, by Parnell. Parnell, c'est la partie make-up de chez Skin Technology. Voilà, ça s'appelle Parnell. Honnêtement, là, je suis plus en mode testing. Je teste les produits et je vous montre un peu. En même temps, oui. Voilà, je vous dis un peu comment je ressens ça sur le visage. Voilà, est-ce que c'est adapté ou pas. Vous êtes là aussi, vous n'avez qu'à voir seulement. Oh, on aime trop parler. C'est pas des choses qu'on parle beaucoup, le papa, allez, là. Oh là là, qui a fait le geste? Oh, vous êtes vraiment... J'ai rencontré un sexy baby. Le cœur du désir, il me rend crazy. Il m'a compris, je ne veux pas mentir. Il a les mêmes envies. Donne-moi le truc à gogo. Demande l'homme à sa mère. Si son gilet est croqué d'un saucisse, baby, je désire ton body. Je suis bébé attiré par son désir, je la like elle est trop sexy. À la midi, j'aimerais juste te rendre mon lit, girl. J'ai son chaud, ouais je souhaite ce moment, girl. Let's go. Désir de la Go Android Michel Dolou disponible sur YouTube. Moi j'aime trop la chanson là en fait. J'aime trop l'artiste aussi.
Tu fais demi-tour. Allez. Le corps du désiré. Wow. Non, mais excuse-moi. J'aime trop les sourcils de Anis Loupa. Le corps du désir me rend plaisir. Ce soir j'ai hâte de croquettes à saucisse, baby. Et de bien ton body, oh boy. Le corps du désir, Michel Dolou. Ça fait comme un Logan, hein? Dino, Dino, envoie ton numéro à telle monnaie. Envoie. On va passer au choix des fossiles de la gare. Je vous montre les fossiles. Les fossiles de chez Parnell Baila Tania. Vous allez m'aider à choisir. Tiens. La paire qui va passer avec le look de créole. Ça, c'est les fossiles revolver. Ah non, là... Non, les yeux revolver. C'est naturel. C'est hein. Naturel. C'est des signes naturels, en fait. Les fossiles de chez Parnell. Après, je pense que là, ça va faire trop chargé quand même, non? Ça, c'est demande, bien. Demande à tes fantasmes. Ça, c'est bien. Mais je te demande aussi, c'est tout ma maquilleuse aussi. Mais là, c'est bien tenue de soirée. En la soirée. Longue fente jusqu'au nombril. La talon glossé. Les longs cheveux, les boucles d'oreilles, machin. Voilà. C'est trop chargé, là. Ça, c'est ce que tu mets quand je te mets, quand tu vas en sur scène. Là, ça, c'est ce que je mets, voilà, quand je vais sur scène, quand je suis chanter. En créole.
quand la fantastique fait son apparition. C'est ça là. Montre un peu là-bas aussi. Voilà. Farnel by Latania. Ça, normalement, je mets ça quand je vais sur scène. Quand je sors le Mondragon, en fait. Ça. Parce que c'est bien chargé, c'est bien machin, c'est long. Mais là, je Et le nom de cette paire, c'est Zio Revolver, s'il te plaît. Ah bon, c'est ça, c'est vrai. Zio Revolver. Tu vois que j'ai dit ça pour rien. Les yeux revolver. Ok, c'est écrit là. Les yeux revolver. Ah, Parnell. Ok, donc ça c'est seulement pour. Donc voilà, ça c'est seulement la pour scène. Liquider, c'est seulement pour ah, tuer l'homme en fait. La ça, voilà, donc c'est quoi le suivant? Cat eyes. Les yeux de chat. Ah, cat eyes, j'aime bien aussi. C'est léger. Vraiment, ça c'est les yeux de chat et la gloire. Oh. J'aime ça. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien aussi. Cat eyes. Ça, c'est. Cat eyes et sexy les eyes. Les yeux de chat de la gloire céleste de chez Parnell. J'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça aussi, sexy eyes. Sexy eyes, c'est pas deux, mal. C'est deux paires assez naturelles. C'est pas mal. C'est, ça, c'est un peu plus chargé quand même que les yeux de chat. Je vous rappelle qu'on est chez Beauté Divine by Anis Lou et que tous ces produits sont disponibles ici. Donc, si vous passez par ici, n'hésitez pas à demander les styles de chez Parnell. Elle va vous présenter les différentes paires, comme ça vous pourrez les voir voilà, sur place. En fait. Sur place. J'aime bien les yeux sexy là, pas plus mal. Il y a la skineuse aussi et il y a la Tania. La skineuse, glossée n'a glossée, maman. Skineuse et la Tania aussi ici. Ah là, c'est la Tania elle-même en fait. J'aime bien la Tania. Je pense qu'on va mettre la Tania. Alors là, c'est la Tania et là, c'est la skineuse. La skineuse aussi, pareil. Hein. Quand je sors en créole, voilà. Ça, je peux bien mettre ça. Non, mais avec le look que tu as là, j'aime bien la skineuse. Ah bon? Oui, skineuse, là, c'est joli. Ah, ah oui? Ouais. Moi, j'aime bien la Tania, en fait. Là, ça va me faire un peu un regard glossé, n'a glossé. Qu'est-ce que vous en pensez? Choisissez. Dites-nous. Skineuse ou la Tania? La skineuse ou la Tania? Moi, j'aime bien la Tania, honnêtement. Ah, quelqu'un dit les yeux de chat, les yeux de chat. Andréa Ngoubou, oui, je suis enceinte, bébé. Alors, la skineuse ou la Tania? Ça, c'est la skineuse. Ou la Tania? Moi, j'aime bien la Tania. Regarde comment c'est chic, en fait. C'est sexy, en fait. Ou encore, attends, on a mis quel autre père là? Que là, j'ai l'impression que. Les autres sont un peu longs. Sexy eyes, il y a des gens qui parlent ouais. De cat eyes. Cat eyes. Cat eyes, c'est vraiment léger, c'est vraiment. Pour quelqu'un comme moi, moi je me maquille avec la skineuse. Hein. La skineuse, ça glosse forcément. Ah oui, hein? S'il te plaît, suis d'abord ici. Est-ce qu'il y a bien? Merci. Arrête. Vous en pensez? On met une autre paire de cils là-bas pour comparer. Regarde, je sens le truc. Écoute un peu tes chansons. Yeah. Je t'écoute jamais ma musique. On peut faire ça. Qu'elle est fantastique. Écoute ça. Je mets un peu H20. Je mets la Tania à l'autre côté. Je mets la Tania. Il s'en va voir les deux, celui pour moi. La Tania, j'ai peur que ce soit un peu trop doux pour moi. Hein. C'est trop doux pour toi? Ouais. J'aime bien quand ça. Quand on me remarque depuis le carrefour, quand on me voit en fait. J'aime ça, je sais pas. On peut aimer être visible de la sorte. Visibilité de ça. Bon, si tu me touches. Mm-hmm.
Ils vont choisir la Tania parce que la Tania c'est un peu plus discret, c'est un peu plus glossé là dans la nuit. Alors voilà la Tania et voilà la skineuse. Les cœurs pour la Tania et les pouces bleus pour la skineuse. Bon. Les cœurs pour la Tania et les pouces bleus pour la skineuse. La Tania, c'est bien, c'est chic, mais c'est un peu trop gentil. C'est pour aller voir ma belle-mère. Ça, c'est pour aller voir la belle-mère. Vraiment, qu'elle sonne quand même que. Tout le direct au sol. On peut faire ça. Attends, fais comme ça, bébé. Ok. Ça, là, c'est vraiment pour aller voir ma belle-mère. La Tania, là. Genre, bonjour, je m'appelle Janice. Alors que ça, là. Tu descends la vitre à la station. Le pompiste panique. Il sent que mon Dieu, ça c'est la diva qui est devant moi. Là, on fait comment? Tu vois, on dit la skineuse. Ah. Tout le monde veut la skineuse en fait. Ah. J'ai dit là que la skineuse, c'est ça là même. C'est très léger. Là, ça fait juste un regard chargé. C'est très léger. Honnêtement, je trouve ça joli les deux. Ça, c'est un peu plus dégagé, un peu plus sophistiqué, genre classe en fait. Mais ça, ça fait bad bitch. Bitches. Et ça, je me retrouve plus en fait. Il y a beaucoup la skineuse ici. Tant qu'on pense, on fonce sur la skineuse. La skineuse gagne. Cynthia, tu joues avec moi. Cynthia dit qu'elle reste avec les deux comme ça. Oh, dites-moi, je vois beaucoup la skineuse en fait. La maquilleuse a déjà senti que la skineuse glossait plus. On dit que la skineuse, tu vas mettre ça au showbiz du Bénin là-bas. La Tania, ça fait plus tranquille, tu en case. Mais la Tania. Honnêtement, je trouve ça, je trouve les deux bien, mais je suis plus tentée de mettre. La skineuse glorieuse. Regarde la maquilleuse, les gens te mettent la cause sur la skineuse. Bon. Mets la Tania. La skineuse de la gloire. Mets la Tania. Le look là, il n'est pas être là, la petite, petite signe comme ça. Mets la Tania. Bien. Non, mets la Tania. Mets la Tania, c'est comment? Les fantastiques qu'on dit là-bas, mets la Tania. Voilà, la Tania, la Tania, la Tania. Trois. Les deux. Christian. Moi, c'est la Tania. Estelle, tu as vu? Tout le monde, c'est la Tania. Mets la Tania. Moi, je fais comme vous, ça m'est fantastique en fait. Hein. Maman, sauf que retirer la skineuse en chef. On va mettre la Tania, ça. Ça fait plus mignonne. Voilà, bon, là, on vient mettre la skineuse. Alors, les gens, enlevé la skineuse. Oh. Ah, on est parti sur la Tania. Alors que là, ça allait donner un dangereux regard. Voilà, on dit la skineuse, réserve ça pour les apparitions. Voilà. Voilà. Ça fait plus c'est, ça fait plus gentil. Très gentil. Hein. Moi qui n'avais pas l'intention d'aller voir ma belle maman, là je suis allée faire un tour là-bas comme que bonjour maman. Hey, maman. Voilà la Tania. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon.
bon, vous avez fait un bon choix, c'est bon. Quand c'est comme vous faites bien, je vous dis c'est bon. Donc vous avez fait un bon choix. La Tania quand même magnifique. Hein. Ouais. Anis voulait la bouder là, je voulais bouder mais bon. Je voulais bouder mais bon, là. Ça va, c'est bien. Ça va avec mon look. Flor, Bidja, les deux non. Je vais te coller toi les deux si différents là. Tu vas aller circuler comme ça. Non, la Tania, ça va, ça va. Moi j'aime. Hein. Alors tous les produits utilisés sur ce look sont de chez Parnell by La Tania. Donc n'hésitez pas. Ouais, comment le gloss est en train de venir un peu. Mm-hmm. On dit les jolies filles des snaps sont des magouillants. Je suis fatiguée par le pays, là, m'épuise. En fait. Est-ce qu'on peut faire ça? Ce sont mes photos. Quand je n'ai pas encore fait mon bim, que vous partez chercher, vous dites que les jolies filles des snaps sont des magouillants. C'est moi que vous voulez traiter des magouillants, en fait. Zion Style, quand il chante comme ça, je vais d'abord mettre la chanson dans l'album même. Je vais d'abord même commencer même par ça. Même un peu. Il était inspiré par qui c'est? Il a dormi à côté de Beyoncé, il s'est réveillé à côté du Magouya. Oublié, obligé de faire maintenant le son. On peut faire ça, mon chéri. Tu as été traumatisé, hein? On peut comprendre. Les jolies filles des boîtes, ce sont des Magouya. Sans les magouya. Non, je vais accoucher la fin de la semaine prochaine, mon bébé. La fin de la semaine prochaine, vous aurez le bébé fantastique entre les mains. Donc là, on a la tante Abba. Abba. Avec le crayon Abba L9. Ibadan. Avec le crayon L9. Toi, la maquilleuse, donne-nous d'abord tes impressions. Ben, le truc, il est magnifique. La couleur est magnifique. Sauf qu'avec le look... J'aime bien déjà que ça ne colle pas aux lèvres. Ça ne fait pas l'effet pâte bizarre, là. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu sens? J'aime bien. Et ça colle pas. Colle pas du tout. Dites honnêtement ce que vous en pensez. Au fur et à mesure, on va tester. De Parnell. Après, je pense que ce genre de couleur là, avec les filles au teint clair, ça donne aussi quelque chose d'autre. Vous êtes trop habitué à me voir avec le gloss. Bon, ok, on va tester une autre couleur. On essaie autre chose. Là, on vient de tester à bas. Ah, pour enlever, c'est le problème. Ça tient bien. Ah oui, hein? Oui. Et enlever, là, c'est compliqué. Et c'est son chocolat. Alors pour les peaux foncées, pour le Glossy Angel là, vaut mieux un contour un peu foncé, un peu marron, un peu foncé. J'ai pris un crayon de chez La Tania toujours avec. Voilà, un crayon de chez La Tania toujours, c'est le L4. C'est le L4 avec le Glossy Angel. Je trouve que ça va très bien ensemble.
Oui, mais bon, là, on est en plein, plein glossy, hein. Allez, on laisse comme ça. Bien, tu veux essayer un autre. Moi, j'aime ça, honnêtement. Tu veux essayer un autre. C'est un dernier. Ok. C'est un dernier. C'est celui-là qu'on va garder comme finition de remarquer. Ok. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils disent que c'est mieux, magnifique, c'est mieux, c'est le meilleur. Là, c'est parce que vous êtes habitué à me voir avec le gloss. Voici quand vous dites que c'est mieux. Ah, mais reste sa gloss. Ça dit là, ça dit que quand on parle de glossage, quand on parle de gloss, c'est là où vous me reconnaissez en fait. Vous voyez? Il y a un autre glossy qui est super, faut... hein? Le pink. Ah, on a le pink aussi, hein? Pink, il est super. Gloss. Il y a un glossy rose là. Pinky. Le pinky de la gloss glorieuse. Voilà. C'est là avec un crayon L11. Qui allait à quelle couleur? Ah, c'est bien sombre. Tu as vu le crayon là? Oui, c'est plus foncé. C'est bien sombre, c'est bien foncé. Avec le pinky là, ça peut donner quelque chose. Mm-hmm. On essaye ça tout de suite. Désolé, ici ça s'est coupé. Il y avait plus de batterie. Nous sommes de retour avec. On essaye, non? Là, on essaye maintenant. Là, on essaye maintenant le glossy pink. En tout cas, tout le monde sait que moi, je suis plus gloss que rouge à lèvres, en fait. Les jolies filles des snappers, ce sont des margouillas. La NASA pour passer. Voilà, voilà, même là, c'est bon. Même là derrière, ça va. Cabo, c'est toi maquilleuse ou bien c'est bon? Cabo, gloss. Fais maman, fais-nous ça en gros là. Celui-là, il est bien. Il j'ai même peur d'appuyer parce que c'est. Non, il ne faut même pas un peu appuyer. Parce que c'est bien pigmenté en fait, ça prend directement en fait. Les jolies filles de snappers, ce sont des margouillas. Alors là, on va essayer le glossy pinky, le rose de chez Parnell by Latania. Vous me dites ce que vous en pensez, hein? On va le comparer déjà au premier glossy. Ah là là, j'adore le gloss. On peut faire ça. Maman Nangaï, Père éternel, s'il te plaît, Kirby. Dieu tout puissant, on dirait que j'ai bouffé le calabas de 150 000. C'est un peu un métallique glossy. Ouais, un métallique glossy pinky. Ah, mais il est bien. Ouais, moi j'adore. Hein. Écoute ça. Il est bien. Et toi, en fait, les glosses, hein? Hein? Moi, j'aime le gloss. Fait que lire ça, en fait. Alors là, on a une espèce de rose métallique. Rose métallique. Pinky, légèrement pailleté.
Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime. Tu vois, si j'avais une couleur un peu comme ça, un peu rose, prêtée sur les yeux, ça aurait été. On dit c'est mieux pour les concerts. La boutique est où, s'il vous plaît? Alors, Foula, chez Gabon. Ici, on est chez Anis Lou, chez Beauté Divine by Anis Lou. C'est en face la mosquée de Batavia au Saint-Germain. Je dis souvent, je ne sais pas ce que la mosquée de Batavia fait au Saint-Germain. Mais c'est quand même là. C'est comme ça. C'est là, posé là. En tout cas, moi, j'aime quand même. Mais question préférence, je préfère l'autre bleu aussi. L'autre aussi. Ouais. On tente un peu le rouge à lèvres. Rouge. Oui, on a un rouge. Ah oui. On a le rouge. Bleu Shing, voilà, avec son crayon. C'est un rouge à lèvres, carrément. Un rouge, rouge, rouge. On a le mat et on a aussi le gloss. Ah, on met lequel? On essaie de coller deux. Luscious. Luscious Red. Donc, le glossy, ça c'est quand tu as fini de... Ça, c'est de mettre le rouge. Tu fais, oui, tu peux mettre le rouge d'abord mat. Et mettre le glossy dessus. Ouais. Ouais. On va faire ça comme ça, on va essayer. Comme ça, au moins, ça me fait un rouge glossé. Rouge glossé. Comme j'aime le gloss, au moins, ça ne va pas être mat en fait. Donc, ok, moi je suis ok. Ok, je vais essayer ça comme ça. Attends, je vais enlever ça. Tiens. Les jolies filles des mamas, ce sont des margouillants. Comment vous trouvez ça sur Instagram là-bas? Comment vous trouvez ça? J'aime, hein? C'est beau. Je m'imagine avec des grosses tresses à la tête là. Des gros chabas là, le visage bien tiré avec le gloss là. Bien. Non? Ça fonctionne. Le premier gloss est mieux. Il est trop mimi celui-là. C'est trop beau, moi, honnêtement. Celui-là. Alors, foulard chez Gabon, les prix varient selon les pays. D'accord, mon bébé? Là, il faut appeler sur les contacts de Skin Technology. Comme ça, vous pourrez avoir les différents prix dans chaque pays. Ok, bébé? Copinette. Bien, gueule. Les jolies filles des snappers, ce sont les margouillants. Regarde comment tu zoomes, puis ça gloss. Non, c'est beau. Ça rien en plus. Attends, zoome un peu ici avec Instagram aussi. Zoom. Non, non. Attends, je vais zoomer. Ouais. Regardez comment c'est propre. Le fond de teint de Skin, la poudre Bikini. Voilà. Donc, on est en train de finir notre look. Je précise que tous les produits qui ont été utilisés là, ce sont des produits de Parnell by Latania. Voilà. Mascara, tout ça. Le teint gloss comme il faut, j'adore. Voilà, vous avez vu les différents... Fond de teint à haute couvrance, on précise. Voilà, fond de teint à haute couvrance, protection anti-solaire. Et ce sont des produits naturels, ce sont des produits bio, d'accord, rajeunissants, je précise. Donc, plus vous vous maquillez avec, plus vous allez rajeunir, en fait. Rajeunir, voilà, c'est quelque chose à bien préciser. Parce que les maquillages, souvent, ça a tendance à te fatiguer la peau quand tu te démaquilles. Voilà. Mais si vous utilisez n'importe quel produit, c'est ça aussi. Ça t'abîme la peau? Ça t'abîme la peau et tu as la peau qui vieillit. Plus on te voit no make-up et c'est pire, en fait. C'est pire de jour en jour. Donc, utiliser des produits rajeunissants en termes de fond de teint. Quand tu te démaquilles, tu sais quand même qu'en mettant le fond de teint, là, c'est comme un soin. Voilà, c'est clair. C'est très important, en fait. Donc, les cils, je pense que ce sont les cils Latania de la collection des cils de chez Latania. Et là, on a posé voilà, les Latania même. Cils, justement, s'appelle Latania. Latania aussi. Voilà. Donc, là, on va tester notre rouge à lèvres glossy, rouge. Ça, c'est le rouge. C'est où le crayon rouge, là? C'est là, c'est là. Les jolies filles de snappers, ce sont les margouillants. Viens, maman. Viens, Sophie, avec nous. Franchement. Mais moi, j'ai fini, en fait. Oh là là, dis donc. Je ne peux pas faire ça quand même, là, quand même. Ouais, c'est bon, donnez-moi mes clés de bagnole. Où sont mes talons? S'il vous plaît, sur vos oreilles. Je suis terminée. Je ne vais pas trop traîner, là. On peut être canon comme ça, on peut être une femme fatale. On peut être une femme fatale. Le rouge là, hein? J'adore. Et le glossy, surtout le glossy que tu viens mettre par-dessus. Le glossy rouge. C'est bien avec les rouges à lèvres, c'est qu'il y a le mat et après tu peux mettre brillant. Oui, il y a le mat et il y a le glossy en fait.
Donc, merci Pernelle. On vous vend seulement les deux ensemble. On ne joue pas avec vous. Merci Pernelle. Là, je viens de tester la plupart de tes produits. Tout mon make-up aujourd'hui a été fait avec des produits de chez Pernelle by Latania. Mac, maquilleuse et moi, nous sommes convaincus. En fait, là, je parle vite parce que j'ai envie de partir. Je me sens trop prête, là. Voilà. Donc, ma maquilleuse et moi, nous sommes convaincus par les produits. Franchement, c'est trop bien. Moi, je te félicite pour un premier jet. Je m'attendais pas à ce que les produits soient aussi intéressants, d'accord? Mais franchement, je trouve ça bien. Le teint est frais. Regarde la qualité des cils. Le mascara tient bien. En plus, il est waterproof, donc ça va. Je peux pleurer, je tapote un peu, c'est bon. C'est bon. Voilà, les rouges à lèvres sont magnifiques, j'adore. J'adore les glossies, mais mon coup de cœur, c'est quand même les glossies par rapport aux rouges à lèvres. Je suis désolée, Natania, mais mon coup de cœur reste quand même au niveau des glossies. Voilà, les rouges sont bien, mais moi, je suis une fanat des glosses, en fait. Donc, je préfère les glossies quand même. Je préfère quand ça glosse. Je préfère quand ça glosse. Ça, c'est vraiment... voilà. Donc voilà, voilà. Donc voilà, je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous avec un autre look. Avec les produits de chez Pernelle, c'est-à-dire Pernelle by Latania, de chez Skin Technology by Latania. Voilà. Je pense que ça va... Non, Annie, je n'ai pas transpiré depuis là. Ouais. C'est quand même à signifier. Donc ça tient bien, surtout pour les personnes qui ont le visage gras, gras. Comme moi. Mm-hmm. Parce que moi, un de toi, quand je danse un peu là, les magouillas là, la sueur, le nez là. Le nez là, on dirait Bob l'éponge. En fait, toi, tu n'as pas besoin de sortir du sang. Dès que tu on finit, tu brilles déjà. Le visage brille, mais là, franchement, le teint est bien matifié. La poudre là, elle est où cette poudre finish de chez Pernelle là? Elle est culte part, voilà, elle est là, la poudre de finition, voilà, qu'on a utilisée pour matifier le visage, pour matifier le teint, voilà, pour que le make-up tienne bien, elle est là, je la recommande vivement, franchement, là j'ai juste hâte de sortir, de gambader un peu dans la ville, pour voir comment ça tient en fait, voilà. Attends, je vais reculer un peu ça. Ma ceinture, voilà, corps de rêve by Latania. Je vous en parlerai un peu plus tard, d'accord? Là, j'ai juste essayé pour voir si c'est ma taille, mais c'est une ceinture qu'on porte à même la peau, d'accord? Parce qu'il y a une crème avec pour masser voilà, le ventre. Et puis, tu poses ta ceinture, ça te permet de brûler non seulement les graisses de l'abdomen, là, mais aussi de sculpter ton corps. Parce que ça te fait prendre une forme assez glossatique. Quoi. Mm-hmm. Voilà, c'est un peu tout. Je vous en parlerai prochainement. D'accord. Et voilà. Voilà. Donc, vous étiez avec nous du début à la fin. Voilà, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé les produits de chez Pernelle. Honnêtement, moi, j'ai beaucoup aimé. Là, c'est sur ma peau et honnêtement, ça va. Si ça n'allait pas, je vous l'aurais dit, hein. Montre-nous comment tu es habillée. Ah oui, j'ai une magnifique petite robe glossée de chez... Comment ça s'appelle? Non. Anis, tu sais, la Nova. C'est pas comment? Adrina, voilà. Quand même. De chez Drina, la robe, elle est magnifique. Les jolies filles de Snapchat, ce sont les margouillons. Voilà. Ok, tu as déjà sculpté même. Ma chérie, ça va sculpter en 2 minutes. Quelques instants que tu as mis ça là, tu as déjà sculpté. On peut faire ça. Voilà, j'ai une magnifique robe de chez Drina. C'est ce que vous voyez. Bien glossée comme il faut. Voilà les enfants, merci d'avoir suivi mon live. Merci. Je vous retrouve très prochainement sur l'édition spéciale des Fantastiques, sur la page des Fantastiques. Bonjour. Et pour toutes les personnes qui veulent commander. Oui, bien sûr, on vous mettra en description sur ce direct tous les numéros, les différents pays voilà, dans lesquels vous allez avec trouver les, prix, tout ça, les produits de Skin Technology. Voilà, le lien
du site internet et de la page Skin Technology Instagram et Facebook, bien évidemment. Allez, bisous les enfants. Bye. Merci bye bye.